calme-toi là. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir à votre bonsoir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Le frère Frédéric, bonsoir. Amen. Tu as décidé qu'aujourd'hui on va te voir. Tu as cherché la caméra, quoi. Ça, c'est un de nos frères qui est sorti là. Frère Frédéric, bonsoir. Ben voilà. Bonsoir. Et vous, ah, mais tu étais où? Et on t'a pas vu. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et vous avez porté presque les mêmes chemises là. Il a tel observé. Après, faut pas partir. Hein. On va parler. Hein. Oui. Voilà. La sœur Félicité, bonjour et bonsoir du côté de la Belgique. Bonsoir, frère Junior. Ça va bien. Pendant que je priais particulièrement, une pensée m'est montée au cœur pour toi particulièrement. Comment tu vas? Ça va par la grâce du Seigneur. Ça va. Courage, d'accord. Courage. Merci. Courage. Merci beaucoup. Le frère Tra, bonsoir. Nous sommes frères. Tu vois que les prédications d'Abidjan n'ont rien à voir avec les prédications de la Belgique. Donc ça veut dire que tu as du travail à faire là-bas, n'est-ce pas? Ouais. Tu vois que tu ne peux pas prendre ta tam-tam, tu vas à la gare là, on commence à taper et au-delà. Tu ne peux pas faire ça là-bas, non? Demain. Hein? Courage. Courage. Hey, c'est la mer. Ça, c'est la mer. Courage. Quelle évangélisation, frère, où il n'y a pas baptême de rien. C'est des bruitiers seulement. Des chefs de bruitiers. Mais c'est tes anciens compatriotes, les amis, non? T'as-tu fait comment tu lèves des nigres aujourd'hui, hein? Comment? Pardon? Ce sont tes anciens compatriotes, tu les dénigres aujourd'hui.
Mais il continue toujours, en fait, non, même quand on, parle de, quand on parle de ça, toujours il continue, en fait. Donc, bon. Voilà. La sœur Ami, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, en grâce, ça va. Tout va vraiment bien, la sœur Ami? Oui, ça va, ça va. Donc, je repose la question, est-ce que tout va vraiment bien, la sœur Ami? À part la fatigue, ça va, ça va. Donc finalement, tout ne va pas bien quand même, non? La sœur Suzanne Claudon, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon frère. Comment va la famille? Shalom, shalom, tout le monde. Shalom, ma sœur. Et notre bébé. Elle va bien, elle va très bien. Merci, par la grâce de Dieu. C'est un beau bébé, hein. Tu sais ce que tu vas faire? Quand tu vas lui donner les tétés, là, tu parles de la parole de Dieu, tu toi, petit enfant, tu dois marcher avec le Seigneur. Tu vois, tu sanctifies même le lait qu'elle prend là, comme ça. Ça passe partout, quoi. D'accord, la soeur? Le monde est tellement perverti qu'il faut envoyer la parole de Dieu partout, quoi. Amen. Même dans le ventre, là, depuis le ventre, tu mets la main là, c'est félicité. Tu mets la main, tu parles. Qu'est-ce que je lui fais? Voilà. Sinon. Et la Bible déclare dans ce livre des prophètes là-bas qu'ils sont pervertis depuis le sein de leur main. Donc, ça, il faut les sanctifier aussi depuis le sein de la main, quoi. Et les autres qui n'ont pas encore accouché, il faut mettre la main là-bas sur le ventre, commencer à parler. Seigneur, que ce soit les enfants selon ta volonté parfaite qui viennent dans ce ventre aussi. Vous comprenez cela? Et les hommes qui n'ont pas encore d'enfants mettent la main là-bas au-dessus de leur ventre en disant, Seigneur, que ce soit la semence prédestinée selon ta volonté qui sorte. Faites cela. Dieu vous le dit. Amen. Sinon, vous aurez des chagrins. La Bible déclare que c'est un fils insensé fait honte à sa mère. Voilà, et celui qui accouche d'une folie, ça sera, il va porter la peine. Alors, comment vous allez alors depuis une semaine? Ça fait une semaine, on ne s'est pas vu. Vous me manquez chaque fois. Toi aussi, tu nous manques. Oui. Frédéric, comment Frère Frédéric baisse la tête comme s'il avait préparé encore les questions pour moi ce soir? Y a-t-il des questions? Pose alors les questions. Je suis à votre service. Je suis livré à votre main. De toute façon, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse chacune de vos actions, chacune de vos vos maisons, vos projets. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Le temps qu'il cherche sa question, il va vous dire quelque chose. Regardez très attentivement que du temps du prophète Élie, lorsque la saison sèche était arrivée, il ne tombait pas de la pluie, le Seigneur dit au prophète Élie dans le désert, il dit, va, descends à Sarepta. Là, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc, dans toute la population israélienne, Dieu n'a pas vu quelqu'un qui était digne de recevoir le prophète. Il a envoyé à Sarepta. Et Jésus a dit la même chose. Que du temps du prophète Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël, mais c'est à Sarepta que Dieu a envoyé. Mais il y a une chose. C'est vrai, on dit que cette veuve, n'étant pas du côté du peuple de Dieu, Dieu voyait ses actions. Suivez attentivement. Dieu voyait ses actions. Dieu la connaissait. La sœur Reine, bonsoir. Je crois que tu es à des gardes aujourd'hui et peut-être tu vas nous suivre. C'est parce que si tu parles de l'évangile, là-bas, on va te donner tes cartes salaires. Tu vas voir. Bonsoir tout le monde. Oui, je vais vous écouter juste. Voilà, bonsoir. Oui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Tu n'as encore rien perdu. Nous sommes à 5 minutes seulement de bavardage. Ok, pas de souci. Vous savez que c'est avec mes histoires que c'est comme ça, avec mes histoires que je prêche toujours. Laissez-moi raconter mes histoires. Alors quand Dieu parle avec le prophète Élie dans le désert, il dit, descends à Sarepta, là j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il n'y a nulle part que Dieu dit, observez ça, il la connaît, il connaît ce qu'il a en elle, il connaît qu'elle est digne de recevoir son serviteur, même s'il ne l'observe, même s'il ne lui parle pas directement. Regardez quand le Seigneur va venir sur la terre, il va marcher dans la foule, quand il va arriver là-bas, quelque part vers Jérusalem là-bas, il y a un court monsieur qu'on appelle Zachée qui monte sur un colloque d'un possible avec quelqu'un de peu recommandable, ce serait lui. Mais à l'intérieur de lui soupirait le désir du salut.
Amen. À l'intérieur de lui, il cherchait à savoir comment faire pour s'en sortir dans cette situation, dans cette salle peut-être dans laquelle il s'était retrouvé. Frère Frédéric, coupe ton micro. Je ne sais pas pourquoi ça dérange chez toi là. Et donc, le Seigneur passe au milieu de la foule. Il arrive là-bas, il le regarde en haut de ses sycomores. Il dit, Zachée, descend. C'est chez toi qu'il veut loger aujourd'hui. Quelle grâce pour lui. Regardez toute la foule qu'il y a là-bas. Regardez les Hérodes, les grandes personnalités qu'il pouvait aller voir. Il a choisi un publicain pour y aller. Tellement en joie, alors parce qu'il cherchait comment faire pour voir Jésus. C'est pour dire quoi? Comme 2 Chroniques chapitre 16 verset 9 le dit. Le frère Frédéric, coupe ton micro. Il y a une résonance chez toi. Parce que le micro, ça va, ça revient là. Lorsque le Seigneur a le regard sur quelqu'un, la Bible déclare qu'il ne détourne pas ce regard de dessus les justes. Donc même s'il ne te parle pas encore, même s'il ne dit pas quelque chose, tu n'entends pas les songes, tu ne vois pas des choses de vision ou quoi que ce soit, ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne te connaît pas. Vous me suivez? Frère Frédéric, coupe ton micro, coupe ton micro, frère Frédéric, coupe ton micro. Il y a un bruit de retour là qui dérange. Je ne sais pas s'il nous entend. Voilà, je crois que c'est bon maintenant. Lorsqu'il n'y a pas de bruit chez vous, donc vous pouvez laisser le micro ouvert. Il a coupé plutôt la vidéo, il n'a pas coupé le micro. Il a coupé la vidéo. Vous entendez ces bruits là, ces bruits, c'est pas bon. Non, Frédéric, il a coupé le micro, faut ouvrir la vidéo. Alors la Bible déclare que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. C'est vrai qu'il les observe. Même s'il ne parle pas, il est sous surveillance. Regardez dans Actes des Apôtres au chapitre 10. À partir du verset 1 du chapitre 10 d'Actes des Apôtres, la Bible nous raconte l'histoire de cet homme qu'on appelle Corneille, qui a eu la grâce dans l'histoire du ciel et de la terre d'être parmi les premiers païens à entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Dans la nouvelle alliance. Alors, qu'est-ce que la Bible nous enseigne de son côté? La Bible nous dit, allons-y, lisons cela. Je vais vous dire, si on voulait vous dire quelque chose, avant que le frère ne pose ta question, laissez-moi avec mes histoires, d'accord? Alors, regardez. Actes des Apôtres, chapitre 10. Il peut en prendre comme ça des centaines dans la Bible. Il y avait, vous y êtes tout le monde déjà? Oui. Voilà. Il y avait à Césarée un homme, regardez là où il se trouve, ce n'est pas à Jérusalem. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était un pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vous avez vu le mot continuellement, n'est-ce pas? Donc regardez attentivement que cet homme n'avait rien dans son peuple qui lui signifiait de croire en Dieu, au Dieu d'Israël, au vrai Dieu. Sa position d'autorité pourrait lui donner le droit, comme les militaires font aujourd'hui, comme quand les hauts gradés sont là, ils peuvent extorquer ton terrain, te faire ce qu'on appelle les abus d'autorité aujourd'hui. Mais la Bible déclare que lui, il était pieux, il craignait Dieu. Et quand vous savez que la définition biblique, c'est de craindre Dieu, c'est-à-dire c'est détourner du mal. Il prend soin de son semblable, ainsi de suite. Et on dit avec toute sa famille. Donc il avait mis sa famille au pas dans le dérèglement. Aujourd'hui, on voit les policiers qui vont en route racketter des papas des gens, racketter des mamans des gens, racketter des veuves pour venir nourrir ses propres enfants. Et vous voyez, les enfants de ces gens-là meurent lamentablement. Eux-mêmes, ils meurent lamentablement malgré ces corruptions-là. Mais celui-ci, toute sa maison, il avait conduit dans la direction, la bonne direction. La Bible déclare qu'il faisait beaucoup de monde. Donc non seulement ses actions étaient ses actions intimes et secrètes étaient bonnes devant Dieu, mais ses relations extérieures avec les autres étaient également bonnes devant le Seigneur. La Bible déclare qu'il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Si on a les militaires aujourd'hui, les seules exactions, c'est qu'on va dire, enfin vous écoutez chaque fois, on dit que les soldats des casques bleus au Mali, ou bien en Centrafrique, ou bien dans telle zone de conflit, ont violé des femmes, ont violé des enfants. Voilà les rapports qu'on a d'eux. On porte plainte contre les casques de l'ONU, qu'ils ont fait des choses, ils ont commis des exactions, des exécutions sommaires, ainsi de suite. Voilà ce qu'on rejette, et ce qu'on reproche aux armées aujourd'hui. Mais lui, on dit qu'il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. C'est très important. Priait Dieu continuellement. Malgré qu'il priait Dieu continuellement, il n'avait pas de sensation ou moins de vision ou quoi que ce soit. Il priait. Il savait à l'intérieur qu'il s'adressait à quelqu'un.
Et il savait que cette personne-là écoutait sa prière, même s'il n'a pas de réponse. Il priait Dieu continuellement. La Bible déclare, verset 3, vers la 9e heure du jour, c'est-à-dire vers 15 heures, il vit clairement dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, Tes prières. Vous avez remarqué que c'est au pluriel, n'est-ce pas? Oui. Tes prières et tes aumônes. Vous avez les aumônes, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit qu'il fallait les aumônes au peuple. Ça, c'est la pratique à l'extérieur. Et il priait Dieu continuellement. Ça, c'est la pratique à l'intérieur. Il dit, Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Lorsqu'on dit qu'il s'en est souvenu, c'est comme si il n'entendait pas, ou bien comme s'il avait oublié, comme quelqu'un qui a une histoire qu'il doit régler, qui prie de ça, il a oublié. Après, il dit, Ah, je me souviens de telle personne. Vous voyez? C'est-à-dire, en clair, dans le langage biblique, le moment est venu pour entrer en relation avec toi. C'est ça, il s'en est souvenu. C'est-à-dire, dans son plan à lui, voici l'heure qu'il a décidé. Amen. C'est, n'est-ce pas? C'est ça le langage de, il s'en est souvenu. Vous entendez que le Seigneur se souvient de Sarah. C'est pas qu'il a oublié. C'est que c'est l'heure de se manifester. C'est ça le langage de, il s'est souvenu. Et il dit, la Bible déclare, et tes prières. Donc il n'a pas prié une fois, parce qu'on a dit là qu'il priait continuellement. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Puis on lui donne maintenant la solution du salut. Regardez très attentivement, je vous dis maintenant ce qu'il est en train de dire. Pour le cas de la veuve dont j'ai commencé à Sarepta, il avait certainement sa vie, son mari est mort, elle fait comme tout le monde fait. Elle vit sa vie tranquillement. Elle a même dit que je sors comme ça pour ramasser deux bois avec un petit les derniers farines et puis je vais manger avec mon enfant. Après, on attend seulement la mort. Le prophète lui a dit que fais d'abord ça, donne-moi, je mange. Et puis tu feras pour ton enfant, car ainsi parle le Seigneur, il ne manquera pas de l'huile dans cette huile-là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc il parle là-bas, la parole du Seigneur lui commande ce qu'elle doit faire. Mais pourtant, Dieu a dit, je lui ai ordonné de te nourrir. C'est cette parole-là qui la dirige désormais. Maintenant, vous voyez que cette femme-là, Dieu la connaissait et savait qu'avec le petit là qu'elle a, elle peut servir le Seigneur. Ici, nous trouvons Corneille qui fait les aumônes. On peut encore prendre le cas de Zacharie et d'Élisabeth dans Luc chapitre 1, verset 1 à 5. Vous voyez qu'on dit qu'ils étaient tous des justes devant Dieu, servaient Dieu de façon irréprochable selon la loi. Mais on dit qu'Élisabeth était stérile. Un jour, pendant qu'il servait comme ça, subitement, cet ange-là s'est tenu devant de lui, dit que maintenant ta prière aussi a été exaucée. Donc, depuis qu'il prie, le moment est arrivé pour lui. Qu'adverrait-il si c'était décourageant en disant que c'est quel genre de Dieu qu'on prie, on ne voit pas de manifestation. C'est pour dire, peuple de Dieu, que vous devez prendre courage et faire totalement confiance au Seigneur. Totalement confiance. Et cette confiance-là doit sortir hors de nos cinq sens. Là, pour avoir confiance en Dieu, il ne faut pas mettre nos confiances sur les sens. Si on met sur les sens, on va mettre sur le raisonnement et donc sur le principe humain et par conséquent sur nos capacités et nos façons de penser tout autour de nous. La confiance doit aller au-delà de notre sens. Voilà donc Corneille. Quand il faisait cela, qu'est-ce qui lui donnait l'assurance qu'un jour Dieu va lui répondre? Puisque là, la vision revient, il est surpris. On lui donne le renseignement. Écoutez très attentivement encore. Mon histoire continue. Quand Corneille priait chaque jour, il ne connaissait pas l'heure de sa visitation, l'heure que Dieu a désignée dans son plan de le visiter. Le jour désigné par Dieu, il est arrivé avec le message, ça a bouleversé et changé sa vie pour l'éternité. Maintenant, regardons maintenant. L'ange lui dit, envoie à Joppé. Vous avez vu la désignation? Envoie à Joppé chez un nommé Simon, le corroyeur. Il habite en bordure de la mer. Vous voyez la localisation, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui loge là-bas, on appelle qui? Simon-Pierre, n'est-ce pas? Simon, le corroyeur. Sa maison est en bordure de la mer. Donc, c'est quelqu'un qui aime la plage, la belle vie, un peu des Côtes d'Azur. Vous voyez? Donc, il a construit sa maison là-bas. Maintenant, j'essaie d'expliquer mon histoire. Donc, depuis le ciel, on connaît que cet homme-là a une maison là-bas. On connaît le nom et la position de cette personne-là. Quand Pierre est allé là-bas, on sait qu'il est là-bas. Que Pierre quitte Jérusalem, il se loge n'importe où, on sait qu'il est là-bas. Donc, à tout moment, Dieu peut entrer en contact. Si tu es n'importe où, il peut te retrouver. Amen. Quand Jésus est ressuscité et que les disciples étaient en désarroi, l'apôtre Pierre a dit, si vous lisez Luc chapitre 21, il a dit, à partir du verset 2, enfin, pas Luc chapitre 21, Jean chapitre 21, il a dit que je m'en vais pécher. Les autres l'ont suivi. Ils sont allés, ils ont péché toute la nuit sans rien prendre. La Bible déclare que vers le matin, Jésus était à la rive, il les observait.
Après, dit, petits enfants, avez-vous péché quelque chose? Donc, ils savaient qu'ils se sont retrouvés là-bas. Donc, vous allez n'importe où, ils peuvent vous retrouver. N'importe où. Et par confiance, et par conséquence, il n'est nulle part sur la terre où on puisse se cacher devant le Seigneur. Il connaît les renseignements, n'importe où. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ici, l'ange donne à connaître le renseignement. Et c'est un militaire qui doit connaître le principe du renseignement, comment on exploite les renseignements. On lui donne le lieu, celui qu'il est censé aller chercher, et là où la personne se trouve. Exactement. Donc, quand la personne entre dans la ville, il sait qu'il me dirige vers la mer. Et vers la mer, je vais demander la maison de Simon le corroyeur. On dit, est-ce qu'ici, quand ils vont arriver, on dit, est-ce qu'ici qu'habite Simon le corroyeur? Oui. Nous cherchons un homme qu'on appelle Pierre. Il dit, mais celui-ci sort d'où? L'Esprit dit sur le toit que voici, c'est moi qui les ai envoyés. N'est-ce pas, mes vieux frères? Amen. Quel Dieu nous avons à servir? Ce soir, nous allons parler de l'entière confiance au Seigneur. Mais avant, je laisse le frère Frédéric poser la question. Je crois que c'est le décor est bien placé. Merci, Père. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ce temps de rafraîchissement que tu veux amener dans nos vies. Merci pour cette confiance totale que tu veux que nous ayons en ton nom et en ta personne. Donne-nous cette confiance inébranlable, Père, afin que nous marchions dans ta vie. Donne-moi, ô Dieu de gloire, de vivre ta vie telle que tu veux. Donne à mes frères, à mes soeurs qui m'écoutent maintenant, Père, de vivre cette vie de confiance. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Frédéric, tu nous entends? Oui, je nous entends. Pose la question. Allons-y, pose la question. Je suis pas là pour vous de la prière. Dans Jean-Charles 12, verset 10. Oui, Zacharie chapitre 12, verset 10. Oui, dans Zacharie 12, verset 10, il est écrit. Alors, je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Frère, bon, je pas répondu à ce verset parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. En fait, parce que ici, quand je suis arrivé ici, j'ai quitté le Cameroun pour venir ici continuer mes études chez un grand frère. Et depuis au Cameroun, j'avais dans une équipe qui s'appelait la vraie guerre du Cameroun. Donc, j'ai arrivé ici à 8 ans. Je suis arrivé ici, je suis le responsable qui, ici, et mon grand frère qui est ici, il présente une autre domination. Bah, en fait, c'est un ami l'a amené dans une autre domination, une domination dans laquelle il m'a aussi amené, moi aussi tiré vers là. Et là, bon, il m'a amené vers là, il a commencé à servir Dieu, il a commencé le service, tout ça. Bon, moi aussi, il m'a introduit dedans. Et juste aujourd'hui, il m'a introduit dedans pour commencer, en tant que caméraman, pour filmer. Bon, maintenant, le problème, c'est que il a quitté cette domination parce que, soi-disant, parce que, bon, elle nous dit que nous n'avons pas de... Quand on connaît ça, le Père spirituel, bon, elle nous dit que nous n'avons pas de... Dans Matthieu 23, verset 9, je crois, nous n'avons qu'un seul Père, celui qui est en haut. Bon, c'est à propos du Père spirituel, tout ça. Donc, il dit qu'il se rappelait, il y a un pasteur du Gabon
Janet Sumba de voir la France, que c'est de là qu'il est ici pour venir ici. Et comme Janet Sumba est maintenant à Paris, il va quitter cette organisation dans laquelle il m'a mené pour aller à Paris. Donc, bien du moins, maintenant, il va à Paris. Et parfois, il m'amène là-bas. Donc, vous avez dit que je suis dans l'embarras. Mais pas. Non, je suis dans l'embarras parce que je suis sur ça. Je n'ai pas beaucoup de choix. Et en plus, là, je suis neuf. Et là, donc, en femme, là, maintenant, ils sont en train dans l'église avec lui de même. Parfois, donc, je suis entre deux frères. Comme si c'était. Donc, parfois, je vais dans la dénomination dans laquelle il m'a amené, et parfois, je vais dans la dénomination de Charles et Sumba à Paris. Donc si je comprends bien, tu es caméraman chrétien dans les dénominations de Charles et Sumba ou bien dans l'autre dénomination là aussi? Non, là, ils vont aussi m'introduire dans la dénomination de Charles et Sumba. Bon, en clair, mon problème en tant que frère junior là-dedans, c'est quoi? J'étais en train de vous faire une histoire bref, quoi. Et à propos de ce verset-ci, le verset-ci, c'est, il y a le mot, un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce et de supplication. Donc, est-ce que c'est un esprit de prière par ce verset? Un esprit de grâce et de supplication. Est-ce qu'on peut dire que c'est un esprit de prière? Voilà. En fait, jusque-là, je ne vois pas le rapport entre ces versets. Le besoin de comprendre grâce, esprit de grâce et supplication, et le caméraman de chez Tel et Somba et de la vraie église de Dieu. Quel est le rapport? D'abord, avant qu'on ne réponde à cette question. Le rapport, c'est moi. Et... C'est-à-dire quoi concrètement? Que c'est toi qu'on a percé? Oui. On te persécute, hein? Tu te souviens dans la dernière émission, dans la dernière façon, je t'avais parlé de que tu es prêt pour tenir pour le faire, Seigneur. Tu avais dit quoi déjà? Oui, j'avais dit. Mais prépare-toi. Ou bien tu ne veux plus tenir alors? Non, je n'ai pas dit que je ne veux plus tenir. En fait, le frère a besoin de il a besoin de comprendre que c'est l'église, tout ça. Puisque on le prend et on lui dit non, qu'on l'amène à l'église. Chez Charles et Sumba ou bien qui. Et encore, on le prend, on l'envoie encore à l'église. De l'autre côté, donc il est partagé entre griffes. Deux églises, si on peut voir. Donc, c'est pas... Non, mais peut-être il a le don de caméraman chrétien. Il est le don de caméraman. Ton don, c'est le caméraman, non, mon cher? Mon don? Oui. C'est ton don dans le corps de Christ, non, caméraman? Oui, c'est ça, disons, la tâche qui m'ont donné. Vous-même, vous voyez le problème que j'ai dans le monde ici, n'est-ce pas, frère Tra? Toi-même, tranche ces problèmes-ci. Ça, c'est le moule. Voici ce qui se passe. C'est le moule des dénominations. C'est le système dénominationnel pour pouvoir mateler l'esprit des enfants de Dieu qui sont enfouis au milieu de là-bas, en fait. Ils vont te donner un poste, tout et tout, pour pouvoir t'embrigader. Là, tu es là, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus sortir. Tu dis, oui, je suis en train de travailler pour le corps de Christ. Mais il n'y a pas de chrétien caméraman. Ça n'a rien à voir. Mon frère, je vais trancher. Pardon. Je voulais dire, je vais trancher vite fait pour toi, mon frère.
Fuis, fuis-le, s'il te plaît, fuis. Oh, oh, attends, attends, la sœur Clodon. La sœur Clodon, occupe-toi du bébé. Voilà. Occupe-toi du bébé, laisse-toi laisser le bonheur tranquille. Occupe-toi du bébé, que le bébé s'éteint et puis on va y revenir. Oui, la, le frère tra continue. Voilà. La sœur Suzanne Clodon nous entend. Que le bébé s'éteint d'abord avant que tu arrives. La sœur est en train de rire, il y a dans son bureau là-bas. De un, dans le corps de Christ, c'est Christ qui est le chef. C'est lui qui est notre père. À part lui, il n'y a pas autre père. Soit si c'est ton papa qui t'a mis au monde, qui est là. Le Christ, nous sommes tous frères. Ça, c'est un d'abord. Ils sont dans leur idéologie. Ils sont en train de fonctionner selon leur... Donc, tous ceux qui entrent à l'intérieur de leur système, ils sont obligés de prendre le fonctionnement de leur système. Donc, dans eux, leur système, ils doivent avoir un caméraman dans leur dénomination. Ils doivent avoir un gars de corps dans leur dénomination. Ils doivent avoir des choristes dans leur dénomination. Ils doivent avoir des managers dans leur dénomination. Ils doivent avoir tous ces genres de choses dans leur dénomination. Mais ça n'a rien à voir avec le corps de Christ. Le corps de Christ, l'église, c'est nous. L'église, c'est nous. Ce n'est pas un bâtiment pour dire qu'on va aller à l'église. Donc, c'est quelque chose que tu dois revoir. Et ça dépend maintenant de, comment je pourrais dire, ça dépend de ta relation avec le Seigneur. Ça dépend de ta relation avec le Seigneur. Comment, que comprends-tu de l'Église? Qu'est-ce que c'est l'Église pour toi? Pour toi, tu considères que l'Église est un lieu, tu vas les suivre. Mais, dans les Saintes Écritures, l'Église, c'est pas un lieu. L'Église, c'est le corps de Christ. Donc, en comprenant cela, tu ne peux pas te déplacer pour aller quelque part. Parce que le Seigneur veut habiter en nous. Il veut que nous le servons en vérité et en esprit. Donc, tandis qu'il veut, oui. Le frère Frédéric, tu as dit que tu étais à la vraie église ici. Qu'est-ce qui ça fait que tu quittes la vraie église pour commencer à aller chercher dans l'autre église alors que tu étais dans la vraie? Je n'ai pas le choix. J'étais dans la vraie église. C'est que quand j'arrive ici, de toute façon, après, je n'ai pas pu dire la vraie église. J'ai pas dit que j'allais à la vraie église avec eux. Mais ici, moi, je ne suis pas ici. Je suis avec un grand frère qui est responsable de moi ici. Bon, maintenant, tu vois maintenant que qu'est-ce qu'il y a le problème? Qu'est-ce qui te dérange sur le cœur par rapport à tout cela maintenant? Bon, vraiment, c'est que je n'ai pas le choix. Il doit adhérer, il faut que je suive les idéologies. Bon, il n'y a pas d'enseigne, comprends? Si tu n'as pas le choix, suis donc, d'accord? Si tu suis, il n'y a pas de problème, non? Puisque tu n'as pas le choix de suivre. Oui. Ben, il faut suivre. La sœur Suzanne, la sœur Christiane, bonne arrivée, bonsoir. Bonsoir, les bienvenus, vous m'entendez? Oui. Bonsoir. On vient tout juste de commencer, il restera 34 minutes. On n'a pas beaucoup duré. Comment va notre fille? Le Seigneur a été miséricordieux, n'est-ce pas? C'est comment tu as arrangé? On est allongé, on ne t'entend pas du tout. Je suis là. Vous l'entendez? Ou bien parlez doucement seulement? Oui, moi, nous l'entendons. On l'entend, mais elle n'a pas mis sa caméra. Ok. Non, on ne l'a jamais vue. Elle est tellement précieuse qu'elle a le silence. Ok. Le frère Frédéric, je t'avais posé la question, jusqu'où es-tu prêt pour aller plus? Tu te souviens de cette question? Thank you.
persécution. Ok, courage, d'accord. Tu es encore jeune, tu as assez d'énergie pour lutter contre la persécution, d'accord. Continue. Nous autres, nous sommes déjà trop vieux. Continue ta composition de persécution, d'accord. Tu auras le diplôme. Et courage. Je crois que la soeur Ami elle doit avoir des problèmes de connexion. Et même chez le frère Frédéric, tu as un peu de problèmes de connexion. Tu es connecté sur quoi? Sur PC ou bien sur ton téléphone? Je peux ajouter la soeur Ami, non? Non, elle peut se joindre facilement. Donc, puisqu'elle était à l'intérieur, ça s'est coupé cette main. Soit la connexion dérange là. Ok. Voilà. On peut commencer. Autre question. Déjà, l'esprit de grâce qui parle dans ce livre de Zacharie, chapitre 12, verset 10, il est question de la restauration et du réveil que le Seigneur va produire à Jérusalem dans la maison. Il faut qu'il déverse cet esprit-là pour que les gens puissent avoir grâce à ses yeux et trouver miséricorde devant le trône pour qu'ils se tournent vers lui. Parce que sans cela, personne ne peut se. Enfin, vous voyez, effectivement, il faut le plus que la prédestination. Et comme vous voyez là, c'est Dieu qui fait toutes choses. Donc, s'il ne le fait pas, les gens ne peuvent pas croire en lui. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'il déverse son esprit là pour qu'il commence à pleurer maintenant que, mince, nous avons tué notre Messie, ainsi de suite, pour qu'il soit sauvé. Donc, l'esprit de grâce et l'esprit de supplication, c'est un esprit de prière. C'est le Saint-Esprit qui donne, c'est un autre volet de la prière par le Saint-Esprit. Je crois qu'il y a un enseignement dont je suis en train de parler de prier par l'esprit. On va en parler. Il a tout baladé ici. Donc, l'esprit, la grâce et l'esprit de grâce, c'est l'esprit de prière, d'accord? Y a-t-il encore des questions avant qu'on avance dans cette lancée ce soir? Oui. Ah, oui. La question, c'est dans Hébreux 12, Hébreux 10, verset 25, qui parle de l'assemblée. Qui parle de ne pas abandonner une assemblée. Non. Bon, qu'est-ce qu'une assemblée? Non, prends d'abord, lis. Prends d'abord, tu lis. Hébreux 12, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Oui. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Alors, la question, c'est quoi? La question, c'était sur le verset 25 qui dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. La question, c'est qu'est-ce qu'une assemblée? Voilà. Le frère Trabi répond. Mon frère, Frédéric, pose encore la question bien pour qu'on saisisse. Pose la question clairement. Allons-y. La question, c'est qu'est-ce qu'une assemblée pour Dieu? D'accord. Quand tu lis d'abord, relis d'abord la phrase, tu vois ce qu'il en est. La phrase de ce livre-là. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et c'est d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Mais te voilà qui a abandonné la vraie église de Dieu, non? Ça dit que c'est à toi qu'on parle là, non? Il ne doit pas. Tu es où alors? Il n'est pas abandonné. Donc finalement, tu fais comment? Tu pars dans parce qu'on a dit que nous n'abandonnons pas notre assemblée. C'est ce que tu veux nous faire comprendre maintenant. Tu as quitté la vraie église. Un jour, tu es à Paris, à Temple des Nations. Ou bien va et raconte, tu peux raconter, c'est pas ce que tu vas raconter là-bas. Un temps tu es encore à ICC même, n'est-ce pas?
Hein, frère Frédéric, comment tu ris seulement? Oui. Non, effectivement, je comprends. Comment? Il dit que t'es plus fort que moi. Il a entretenu le frère. On va parler. Je vais l'entretenir. Voilà, merci beaucoup. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25, le mot assemblée là-bas n'est pas ecclésia. En grec, c'est le mot qui est traduit là-bas par assemblée dans ce livre d'Hébreux chapitre 10, verset 25. Ce n'est pas église. Donc, on va traduire ça par n'abandonnons pas notre église. Parce que c'est pas ecclésia qui est écrit là-bas en grec. C'est episynagogue qui est écrit là-bas. Ça parle de réunion de l'assemblée. En anglais, on parle de assembling together ou gathering together. D'accord, mon cher. Il est même là. La connexion. La connexion. Oh là là. La connexion de l'antichrist. Vous m'entendez? La connexion de quoi? C'est chez elle, c'est chez lui que la connexion dira, ou c'est chez nous? Oui. Oui, c'est le contraire. Attends, moi quand je parle, vous m'entendez? 5 sur 5. Ok, ben non, ça veut dire que c'est chez lui, donc ça dérange alors. Moi j'entends. Eh bien, dans ce cas, pourquoi t'as chez toi, donc ça trouble comme ça? Parce qu'on ne t'entend pas du tout. Là, il entend maintenant, tu entends? Oui. Ok. Bon, maintenant, prends le chapitre 12 d'Hébreu. Puisque vous êtes dans le chapitre 22, lis les versets 18 à 22. Jusqu'au verset 23 même. Pour approcher une montagne et qui était embrassée par le premier ténèbre, ni de la tempête, ni du. Ta connexion n'est pas bonne, frère Frédéric, ta connexion n'est pas bonne. Ni du bruit des paroles, tel que ce qui. La soeur, amie, ferme ton micro. Bon, arrivé encore une fois de plus. Ferme ton micro. Le frère là également, ferme ton micro. Il croit que c'est chez le frère. Le frère, ferme ton micro. Le frère va lire. Comme ça, il va lire. Ça dérange chez vous là. Je ne sais pas pourquoi ça siffle chez vous. Ok, Hébreux 12, verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Il continue. Jusqu'au verset 23. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité de Dieu vivante, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, et l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, du juge qui est le Dieu de tous les esprits. Non, non, non. La façon dont tu lis. Des justes parvenus à la non, perfection. Non. La façon dont tu lis, sans ponctuation, ça ne serait pas ça. On dit du juge qui est Dieu de tous.
des esprits des justes. Donc c'est pas, tu vois, il y a une virgule entre tous et des, n'est-ce pas? Vous m'entendez là? Voilà, je disais donc qu'il faut lire à partir du verset 23 que tu as dit de lire là. On dit de l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Où, tu vois, il y a eu des virgules. D'accord? On est en train de désigner ce lieu où les chrétiens sont venus, sont arrivés. Là où ils se trouvent en réalité. Là où l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, qu'on est assemblés ensemble, on est réunis, on est assis ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est de ça dont il est question qu'on définit ici en décortiquant. D'accord? Donc, relis encore. Maintenant, le frère Trabi, regardez. Vous me suivez? Est-ce que le frère Trabi m'entend? Ton micro n'est pas ouvert? Oui, oui. Alors, le verset 18, comme tu as commencé au verset 18, lis les 10 premiers mots du verset 18, puis tu vas directement au verset 22. Tu vas entendre ce que ça dit. Allons-y. Dès que tu finis les 10 premiers mots, au 10e mot, tu vas directement au verset 22. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Mm-hmm. Ça fait 10. Et non. Qui est. Non. Mais. Ça fait, tu vas au verset 22. D'accord. Mm-hmm. D'accord. Mais. Vous vous êtes approché de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant. Arrêtons dans là-bas. Relis encore dans les 10 premiers au verset 18. Là, relis d'abord ça et puis tu vas maintenant au verset 22 directement. Vous suivez bien ce qu'on a dit là. Allons-y. Okay. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Mm-hmm. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion. La cité du Dieu vivant. Non, de la cité du Dieu vivant, oui. Oui, la Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers. Inscrits dans le ciel. Voilà, c'est dans les cieux. Bon, c'est bon. Donc, la façon dont j'ai dit, il vous a fait lire cela au chapitre, enfin, au verset 18, les 10 premiers mots, puis vous allez directement au verset 22. C'est parce que l'apôtre André voulait expliquer quelque chose. Si vous lisez la convocation d'Exode chapitre 19, où Dieu a donné le commandement, où c'était fracassant tellement, il y avait les sons des trompettes. L'apôtre Paul André le dit, c'est parce qu'il y avait, des défenses express. On devait fixer les limites, même que si des bœufs s'approchaient, alors ils devaient être lapidés. Il dit, malgré que ces spectacles-là aient été terribles, ce n'est pas de cette montagne. Ah, c'est une montagne physique, c'était physique là, cette chose là, parce que ça s'est passé dans l'Ancien Testament. Il dit, ce n'est pas de cette montagne là qu'on s'est approché, qu'on sache qu'il y a eu une sainte convocation sous l'Ancienne Alliance. Dieu avait demandé au peuple, à Moïse, de descendre, sanctifier le peuple et il va se présenter. De la même façon comme Christ est descendu, il a sanctifié le peuple pour que Dieu les soit favorable. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, n'est-ce pas? Et donc, il dit donc que lorsqu'il compare donc les deux montagnes, la montagne de Sion et la montagne nouvelle de Sion et la montagne où les juifs étaient approchés là par la convocation, il dit que ce n'est pas ce style de montagne là où nous sommes assemblés. L'assemblée n'est pas comme ça. L'assemblée dans laquelle nous nous sommes approchés se trouve être le cœur que forment des myriades des anges, appelé encore la cité de David, ou bien encore la cité du Dieu vivant, ou bien encore des esprits des justes parvenus à la perfection, ou bien encore premier né inscrit dans les cieux. C'est de cette assemblée qu'on s'est prouvé. Le frère Fédé est en train de m'écouter, n'est-ce pas? Écoutez très attentivement. Et par conséquent, de cette assemblée, il est en train de vouloir montrer effectivement, l'important de cette assemblée-là et comment cette assemblée-là est. Maintenant, le frère Frédéric, et pas seulement lui, prennent le chapitre 10, et c'est ce que les pasteurs font, au chapitre 10, le verset 25, comme il a lu là, n'abandonnons pas notre assemblée. Et vous voyez effectivement que là-bas, assemblée au singulier, on parle de notre assemblée. Pourtant, il est en train de dire à plusieurs personnes, et là, le frère, toi, vous êtes en Belgique, dans un autre lieu, dans un autre lieu. Lorsque les pasteurs parlent de ça chaque fois, ils parlent toujours au pluriel, que n'abandonnons pas nos assemblées. Or, il n'y a qu'une seule assemblée où les chrétiens sont approchés, une seule. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Le seul lieu là, c'est ce lieu des rassemblements, des esprits de juste parvenus à la perfection. C'est là où sont rejoignés la Jérusalem qui forme le cœur des anges, des esprits de juste parvenus à la perfection. C'est ce lieu de rassemblement. Il n'y a qu'un seul lieu de rassemblement et c'est en Christ Jésus. Vous ne pouvez pas quitter ce rassemblement.
sais pas si vous comprenez. Donc on ne dit pas n'abandonnons pas nos assemblées. Si c'est comme ça là, vous voyez que quelqu'un du temple des nations, bah, il n'abandonne pas ton assemblée, c'est ton assemblée ici. L'autre dit dans l'autre côté, vers l'église, que n'abandonnons pas nos assemblées, que, nos, que les assemblées de plein d'église, c'est ça dont il est question. Les témoins, je vais dire, n'abandonne pas, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et c'est tiré maintenant. Oui. Et donc si on comprend sur cette base là, si donc c'est le même Christ qu'on prêche, dans ce cas, pourquoi quand tu vas quitter la vraie église pour aller chez les témoins de Jéhovah, on va te demander de ne pas partir, puisque c'est la même assemblée. C'est sur la même assemblée. Vous voyez qu'on a des problèmes sur la terre, n'est-ce pas? Lorsque les gens ont commencé cela dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, si vous lisez à partir du chapitre 1, à chapitre 1 même, l'apôtre Paul a dit que qu'est-ce que Paul, qu'est-ce qu'Apollos, qu'est-ce que Cephas? Des serviteurs au moins duquel vous avez cru. C'est pas ce qui est écrit. Il dit selon que la grâce qui est donnée à chacun, j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. De telle sorte que ce n'est pas celui qui a planté quelque chose, ni celui qui arrose qui a fait quelque chose, mais celui qui fait croître qui est quelque chose. Quelqu'un commence à dire que moi je suis d'Apollos, moi je suis de vraie église, moi je suis de ICC, moi je suis de cathédrale de la foi, moi je suis des temples de Jérusalem, ainsi de suite. Voilà les différentes assemblées que les chrétiens, que les gens ont sur la terre. Mais Dieu a son assemblée à lui. Amen. Amen. Une fois, je parlais avec mon frère et voici ce qu'il m'a dit concernant les dénominations quand je t'entends lui parler. Parce qu'il m'a appelé pour me demander, mais ici, ton affaire du Seigneur, c'est comment? Tu pries pour. J'ai souri un peu. J'ai dit, mais je suis là avec mon épouse. On prie à la maison. Il dit, ah, c'est que toi, tu es égaré. Tu pries à la maison. C'est que tu es égaré. Il dit, mais comment? Il a dit, c'est Bruxelles, tout ça. Il a dit, non. Il a commencé à l'expliquer en fait le corps de Christ. Il dit, non. Que le corps de Christ là. En fait, il est en train de m'expliquer que les différentes dénominations font partie du corps de Christ. Ça veut dire que catholique peut être par exemple le bras, l'oreille peut être par exemple ICC, les pieds peuvent être par exemple assemblée de Dieu, les orteils peuvent être. Il a commencé à m'expliquer que, en fait, c'est sa manière de voir et sa manière de comprendre qui est de cette façon. Et c'est eux tous là, parce qu'ils disent le nom de Jésus, qui forment le corps de Christ. Il lui a dit non. C'est pas comme ça, il n'a pas voulu m'écouter. Je l'ai laissé. Vous allez me tuer sur cette terre-ci. Donc, voilà, ça parle du corps de Christ à l'homme maintenant. Ah oui. Avec des doctrines différentes qui contredisent Jésus, contredisent sa parole. D'autres qui n'obéissent même pas sa parole, d'autres qui ont mélangé avec cela, sa parole, avec les traditions. Donc, c'est ça, Jésus, le corps de Christ. Bon, de toute façon, chacun portera les propres peines. Des questions? Maman, j'ai une petite remarque que j'ai faite. Ma première question, c'est que les juifs prient qui, en fait? Attends, le frère Frédéric voulait parler. Frère Frédéric, ta connexion est vraiment lente, je ne sais pas pourquoi. Tu es dans quelle ville en Belgique? Oui, tu n'as pas terminé ta question. Je n'ai pas terminé la question. Oui, vas-y, mon cher. Non, je n'ai pas terminé ma question. Vas-y. Oui, c'est à propos de Galates. Galates 4, verset 9. Oui, continuez. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez connu Dieu, oui, comment retournez-vous à ces faibles rudiments auxquels vous voulez vous la servir encore? Bon, en général, c'est comment être comme Dieu, comment être connu de Dieu. Vas-y, mon frère, je t'écoute, c'est comment? Pose la question. Oui, je sais comment. Oui, sa connexion n'est pas bonne du tout. Il a une question. Pas trop bonne du tout. C'est pas pourquoi on n'arrive pas à comprendre. Après, ta connexion dérange.
parles. Oui, parce qu'on ne parvient pas à te saisir, en fait. Donc, tu parles. Oui, vous m'entendez maintenant? Oui, oui, on t'entend. Mais souvent, ça s'entrecoupe quand tu parles. Mm-hmm. En fait, tu lisais quel verset, quel passage là? Allô? Allô? On t'entend plus. Le frère Frédéric, on ne l'entend pas. Il y a un problème en fait. Ça s'entrecoupe quand il parle. Bon, il faut qu'il se déconnecte, il se reconnecte encore. Tu as essayé de saisir sa question? On n'a même pas saisi ce qu'il a dit. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est sa position. Bon, ce qu'on va faire, c'est que. Frère Frédéric, tu nous entends? C'est pas. Moi, c'est déplacé. Déconnecte-toi, tu te reconnectes encore, mon cher. Le frère, contrôle sa connexion, contrôle-le en lui posant des questions. Mm-hmm. Allô, frère, tu m'entends? C'est bien, tu vas faire, non? Il faut oui, je vous entends. Oui, il faut te déconnecter et puis tu te reconnectes encore. Oui. Vas-y, essaie ça une fois. Tu coupes, tu sors de la conférence et puis tu reviens encore. Ma bien-aimée, monsieur ami, c'est comment? Donc il va revenir, c'est bon, ça va aller. Allô? Oui, allô, soeur Ami, ça va, allô? Ça va? Oui, ça va bien, chez vous? Oui, ça va, tu es bien installé maintenant là? Non. Non, non, rien du tout. J'ai même pas recommencé de ranger. Et puis là? Ah, avec le travail, la neige et tout qu'il y a eu, c'est pas facile, hein. Ok, que le Seigneur te fortifie. Amen, amen, amen. J'ai pas beaucoup de temps, donc le peu de temps que j'ai encore rien fait du tout. Il n'y a que la chambre de la petite qui est montée, mais le reste, rien n'y en fait. Vous voyez que c'est désagréable avec le son qui provient de chez le frère Frédéric là. Frédéric parle maintenant. Frédéric, tu nous entends? La soeur Annie, tu nous entends? Toi, tu m'entends? Oui, je t'entends. La soeur Suzanne Claudon, tu es là, tu m'entends? Oui, je suis là, frère. C'est quand même terrible. Bon, alors, on va continuer le temps que lui se connecte, si c'est bon chez lui, là. Oui, frère, tu avais une question. Oui. En fait, je voulais savoir, les juifs prient qui en ce moment? Tu penses qu'ils vont prier qui? Et puis le Seigneur. Mais le oui, le problème, c'est que le Seigneur a dit que on ne devrait pas le prier avec, comment on appelle, quelque chose sur la tête. Mais eux, ils ont un chapeau. Tu vas aller les arracher, ça, alors? La pipa.
tu vas aller les arracher ça. Il faut sur la tête. Oui. Tu vas aller les arracher alors ça. C'est lui qui avait, dit ça, c'est un juif. C'est l'apôtre Paul qui leur avait dit ça. Il prêchait ça contre eux. Mais ça n'empêchait pas que Dieu les écoutait. Les juifs sont dans une dispensation bien déterminée. Donc, si tu parles vers chez eux pour regarder ce qui se passe à la lumière des chrétiens, tu vas te heurter sur le pied d'achoppement car qu'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. On dit pour ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Donc, c'est nous qui les créons des obstacles. Sinon, ils n'ont pas de problème avec le Seigneur. D'accord? Amen. Des questions? C'est qu'on rentre dans le but de l'enseignement, là, on prend la nourriture. Là. Voilà. Et puis. On peut commencer maintenant, alors, n'est-ce pas? Amen. Frère Frédéric et ses amis, fermez vos micros pour que ce son soit bon. Si vous fermez vos micros, maintenant, si vous voulez parler, vous pouvez ouvrir maintenant le micro. Parce que quand vous laissez ouvert, il y a retour. En physique, on appelle ça les ondes vont dans le sens opposé. Et puis, ça se rencontre. Ce sont les ondes destructives. C'est ça qu'il faut produire, ce son-là. Pip, pip. D'accord? Voilà. Tout à l'heure, j'étais en train de parler de mes différentes histoires avec Élie le Tichite, la veuve de Sarepta, le cas des achats avec le Seigneur Jésus-Christ, le cas de Corneille avec sa famille, le cas de Simon le Corroyeur, les achats, ainsi de suite. Vous voyez que dans toutes ces choses-là, ces personnes, malgré qu'ils n'avaient pas de relation avec le Seigneur, de façon directe qu'ils pouvaient saisir, avaient confiance au Seigneur. Et Dieu les a regardés et Dieu les a vus. Et il connaît qu'ils sont là. C'est le plus important, c'est que Dieu connaît qu'ils sont là. Donc, j'aimerais qu'on voie ce thème-ci aujourd'hui. Une totale confiance en Dieu. Totale confiance en Dieu. Et il nous faut ça. Il nous faut une totale confiance en Dieu. Un total abandon entre ses mains. Sinon, on ne peut pas fonctionner. Sinon, on va fonctionner avec les sens. Et ce total abandon, comme je t'ai dit tout à l'heure, avant qu'on entre dans les questionnements, cet total abandon ne doit pas être fait avec nos sens. Si ça se fait avec nos sens, nous allons rater la mise. Nous allons rater la chose et nous allons faire autre chose. Nous allons vivre dans les sensations. Maintenant, nous allons aller dans les Saintes Écritures et voir cela. Vous êtes prêts avec moi? On part nager? Amen. Commençons dans le livre de Luc au chapitre 21, je crois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis à vous donc dans quelques instants. Le temps que vous trouvez Luc chapitre 21. Dès que vous avez me dit, on commence. Luc chapitre 21. Ok. Prenons dans la partie du verset 5 et lisons et prenons ce contexte là-bas. Voilà. Chapitre 21, verset 5 et suivant, jusqu'au verset 15, mon cher frère. Non, lisons jusqu'au verset 19. Dans le chapitre Luc, chapitre 21, c'est notre texte, c'est là où nous prenons notre texte base. Verset 5 jusqu'au verset 21. Jusqu'au verset 19, pardon. Et après, au fur et à mesure, je vais vous donner des versets. Allons-y, le frère Trage, tu peux nous lire cela. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des fonds et des offrandes comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient le monde du temple l'ornement. Tu vas le lire. Qui faisaient l'ornement du temple. Oui. Jésus dit, le jour viendra où ce que vous voyez, il ne restera pas pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses sont arrivées? Jésus répond, prenez garde que vous ne soyez séduites, car plusieurs viendront en mon nom disant c'est moi, et le temps approche
ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, pas effrayé, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grandes situations. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues ou on vous jettera en prison. Courage, le jour où tu vas finir de lire, on va continuer à causer. Vas-y, mon frère. Oui, on vous mènera. Oui. Oui. On vous mènera. Devant les rois et devant le gouvernement. Cela vous dira que vous serviez des témoignages. Mais vous donc dans l'esprit et vous donc dans l'esprit de ne pas une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. 16. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils vous feront mourir plusieurs. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Continue. Tu continues comment? J'ai dit que des versets 5 à verset 19, tu veux encore continuer quoi? On va encore faire deux jours là maintenant, c'est rythme là. Vous m'entendez? Oui, oui. Mm-hmm. Maintenant, je vais lire les versets, du verset 8 là, rapidement, jusqu'au dernier. Regardez. Jésus répondit, parce que ses disciples lui ont posé des questions. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom disant c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Quand il y a ces choses, ne soyez pas effrayés. Les chrétiens ne sont pas effrayés par des bruits de bottes tout autour d'eux et des bruits de famine, de tremblement de terre. Puis Jésus dit, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Ça doit arriver, c'est une prophétie. Donc prier que ça s'arrête, c'est un problème. Prier que ça n'arrive pas, c'est encore un problème. Mais ce ne sera pas encore la fin. Vous voyez, n'est-ce pas mes chers? Verset 10. Mm-hmm. Alors il est dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Et il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Et l'on vous persécutera. Hein, mon cher Frédéric, l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Maintenant, écoutez très bien le but de toutes ces choses-là. Cela vous arrivera pour que, soulignez ça, frère. Vous y êtes. Mm-hmm. Cela vous arrivera pour que. Vous avez vu le mot, n'est-ce pas? Donc voilà le but pour lequel la persécution nous arrive. On va vous entraîner devant le tribunal, on met des autres, d'autres en prison. Remarquez très attentivement qu'il a fallu que l'apôtre Paul et Silas entrent en prison dans Acte chapitre 7 pour pouvoir délivrer le geôlier. S'il fallait faire les campagnes d'évangélisation pour attraper les gens dans les rues, il ne se retrouverait jamais dans les rues. Il fallait le trouver dans son bureau. Et quelle est la meilleure façon de trouver un garde prisonnier? C'est d'être en prison.
Maintenant, cela vous arrivera pour que, le but pour lequel cela vous arrivera, pour que vous serviez des témoignages. Puis le Seigneur dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. S'il y a une parole forte, c'est ça. Donc c'est ici, le verset 14 jusqu'au dernier verset, qu'on tient notre thème de travail. Il dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Pour que quelqu'un ne prémédite pas ses défenses, il lui faut un abandon complet. Amen. Une confiance totale au Seigneur qu'il est à l'œuvre, il va agir. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Par ces paroles, Dieu, notre Seigneur, invite les croyants qui vont souffrir pour lui, ou mieux, qui croient en lui, de dépendre totalement de à lui. Oh mon Dieu, Côte d'Ivoire. De dépendre totalement de lui, et de s'attendre à lui afin qu'il fasse quand il veut. Remarquez très attentivement que lorsque vous êtes dans votre défense, en prison, comme l'apôtre Paul le dit, dans la première défense, personne ne l'a soutenu, c'est seulement le Seigneur qui l'a soutenu. Le Seigneur ne dit pas qu'il va venir pour vous enlever en prison, que non. Qu'il va venir enlever entre les mains des bourreaux, que non. Il dit que vous devez servir de témoignage. Il peut arriver que le témoignage serve même jusqu'à le sacrifice suprême qui veut que tu donnes sa vie en libation, comme le cas de l'apôtre Paul et autres. Mais ce que le Seigneur dit ici, c'est qu'on se met donc dans notre esprit. Donc, qu'on sache qu'on n'a pas assez de défendre en tant que chrétien. Puis il explique, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. C'est ce genre de Dieu que je vais servir, frère. C'est ce genre de Dieu que je souhaiterais toujours servir. Si vous voulez croire à ce genre de Dieu, je serai 100% avec vous et on travaillera ensemble. Ce Dieu-là qui, à l'instant précis, donne la réponse qu'il faut à la place qu'il faut, même si ça chante au point où les souris sacrés peuvent déchirer les vêtements. Mais pour cela, il faut une totale confiance, un total abandon, un total appui sur lui, compter sur lui. Vous savez, il y a ce cantique qui dit, compter sur lui de honneur, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. C'est quand même bien, ces cantiques-là, parce que ça nous donne un peu souvent de chair de poule. Mais ô combien important, nous comptons véritablement sur lui? Ici, les paroles du verset 14 à 15 nous montrent clairement qu'il faut compter, non seulement compter sur lui, mais s'abandonner entre ses mains. Il dit donc, verset 15, car je vous donnerai une bouche. Où est la promesse qu'il donne? Donc, quand le chrétien sera dans les étaux, il ne lui donne pas l'âme pour tuer quelqu'un, pour fermer les yeux de quelqu'un. Et c'est pour eux que la parole qui va sortir dans la bouche là énerve encore. Vous voyez? Il nous a servi un exemple d'Étienne. Vous vous souvenez d'Étienne au chapitre 7 des Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Étienne s'est tenu là devant le Sanhédrin. On lui a posé la question. Il les a fait un bref historique de la Bible. Déjà, il était assis là comme ça, étonné. Il donne. Échéance après échéance, génération après génération, jusqu'à ce qu'au moment donné, d'un homme au cou roide, lequel des prophètes vous n'avez pas tué. Vous voyez comment ça commence à énerver, n'est-ce pas? Voilà la sagesse que Dieu lui a donnée. Grave encore quand la parole que Jésus lui a mis dans la bouche à ce moment-là, que je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme assis et Jésus assis à la droite de Dieu. On dit waouh, au tête de la terre, un tel homme. Vous avez vu ce qu'il peut faire dans ta bouche, non? À Jérémie, quand il s'était révélé à Jérémie, Jérémie a dit que non, je suis un jeune, hein, il faut aller prendre les pasteurs qui ont beaucoup fréquenté pour aller faire ça. Il dit non, c'est toi qui vas partir. Moi, c'est moi qui fais la bouche. Je mettrai mes paroles dans la bouche et tu vas parler. Donc, vous voyez, quand il arrive sur place, quand il ouvre la bouche, il dit ainsi parle l'Éternel. Livrez votre cœur, votre cou au joug de Nebuchadnezzar parce que Dieu l'a établi pour qu'il prenne le joug et toute personne qui se soumettra par lui se rendra compte à Dieu. Vous voyez que quand à cet instant-là, lui-même est dans les problèmes. Lui-même, Jérémie, est dans les problèmes. Parce que quand il arrive là-bas, il ne sait pas ce qu'il va dire. Il ouvre la bouche, voilà ce qui sort. Et ça sort ce que les gens n'aimeraient pas entendre. Mais il faut avoir confiance en Dieu que ce que tu as dit est exactement cela. Un total abandon entre les mains du Seigneur. Un total appui entre ses mains. Une confiance absolue que c'est lui qui en a de parler. Parce qu'il a fait la promesse ici, car je vous donnerai une bouche. C'est-à-dire que, c'est que les paroles qui vont sortir à cet instant-là, il a dit clairement, et une sagesse, la sagesse par laquelle tu vas parler, personne comme adversaire, ne pourra résister ou contredire. Quand la parole vient de l'esprit, même si quelqu'un voudra dire n'importe quoi, remarquez avec l'apôtre Paul, quand il discourait avec les juifs partout où il passait, on ne pouvait pas contredire ce qu'il disait parce que tout ce qu'il disait était clair et établi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il insultait.
ou mieux soulever les foules contre eux, contre les poules pour les tabasser. Voilà le résultat. Voilà ce qu'il en est. Donc ici, le Seigneur nous enseigne une totale confiance en lui. Tous ceux qui le suivent doivent avoir une totale confiance. C'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Une totale dépendance en Dieu. Une totale dépendance en Dieu. Personne n'ira loin s'il ne dépend pas totalement de Dieu. Et sur les choses qu'on va tester dans la Bible et les versets qu'on va lire, et j'espère que nous aurons le temps pour le faire, parce que nous sommes déjà à 1h15 maintenant. Lorsque nous verrons dans la Bible, nous allons voir si on ne finit pas aujourd'hui, parce que je ne vais pas vous retenir pour longtemps. Si on ne finit pas aujourd'hui, on va continuer dans la deuxième partie, cette totale dépendance en Dieu. Nous allons voir que ceux qui sont ont dépendu totalement de Dieu ont toujours eu un résultat favorable. Même ceux qui les ont persécutés, par la suite, ont reconnu la souveraineté et la grandeur de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils dépendaient totalement de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à dépendre totalement de Dieu? Verset 16 dit, vous serez livrés. Regardez les prophéties qu'ils ont sur ces disciples. Voilà, parce que quelqu'un qui aime ses frères, il les a sauvés, mais il les donne des bonnes prophéties pour eux qui vont les faire mal, quoi. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Vous voyez quelle époque nous vivons, non? Vous voyez quelle époque nous vivons? Donc la trahison peut venir de n'importe qui autour de vous. Vous voyez pourquoi il est important de dépendre totalement du Seigneur? Sinon, comment comprendre qu'une femme qui dit aimer son mari, à un moment donné, tue son mari pour prendre les biens? Comment comprendre qu'une femme qui a les fruits de ses entrailles puisse tuer par la suite? Ou bien un homme comme récemment, vous avez vu dans la presse camerounaise et sur les réseaux sociaux, comment un Camerounais est sorti de la Suisse, venir, il a fait tuer tous ses 3 enfants. Comment un être humain peut faire de telles choses? Comment? Vous comprenez? Il dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Donc, il y a certaines personnes qui sont candidats à la mort à la suite de la trahison et bien de livraison de leurs parents, de leurs frères, de leurs proches. Si vous êtes parmi, parce que quand Christ dit comme ça, s'il faut donner les détails, il peut citer tous les noms de ceux qui vont mourir comme ça. Mais si c'est comme ça, tu dis que ma part est venue. Donc, pour ne pas dire à quelqu'un, pour que tu te prépares à avoir peur plus tôt, il laisse comme ça. Si tu tombes là, déjà dans ce lot-là, c'est ta part. Vous voyez, si c'est le frère Frédéric, qu'on va le lapider seulement là-bas, c'est sa part. Et personne ne peut échapper à cela si vous êtes appelé de lui. Parce qu'il a dit que ceux, ils vont faire toutes ces choses à cause de son nom. Lorsque tu es du côté du nom du Seigneur, jusqu'à tôt ou tard, ça va arriver. Même si tu vas fuir la persécution n'importe comment, ça va finir par te trouver. Puis il donne encore, vous serez haïs. Voilà les prophéties, les bonnes prophéties qu'il dit sur nous à la fin du temps. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc, vous évoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, sachez que vous serez haïs. Et puis maintenant, il donne cette merveilleuse promesse de la conséquence de souffrir pour son nom, de lui appartenir, et de dépendre totalement de lui. Donc cette promesse, mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. De quoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler? Pourtant, il a parlé de mort plutôt en haut. Parce qu'il a dit qu'ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Quand on fait mourir quelqu'un, on l'enterre quand même, son corps pourrait, ses cheveux disparaissent. Après un certain temps de radioactivité, de durée, de désintégration. Ça se désintègre et puis ça perd. Mais là, il dit, mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Que dit des groupes de personnes qu'il a signifié ici que et on va le faire mourir? Donc ouais, effectivement, qu'il en a parlé, la rédemption et la protection dont il a parlé, le résultat c'est au-delà de cette vie-ci, n'est-ce pas? Il donne la promesse, mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc en restant dans ce carnaval-là, on va avoir le salut éternel, n'est-ce pas? Alors, ici, dans ce livre de Luc au chapitre 21, verset 5 jusqu'au verset 19, le Seigneur veut donner à ses disciples la préparation mentale et de cœur et la foi de lui, de dépendre totalement de lui. Totalement de lui. C'est pour cela que vous avez vu dans Luc des gens au chapitre 15 et chapitre 16, là, il va leur dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si le serment ne demeure pas dans le cep, il ne peut rien faire. Vous ne pouvez pas produire par vous-même des fruits. Il faut dépendre de lui. Amen. Prenons ces pleins là maintenant, commencez à noter. Notez le psaume 27. Psaume 27. Les autres sœurs et frères, vous nous entendez, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Le psaume 27, verset 1 à 3. Psaume 27, verset 1 à 3. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Le psaume 37, verset 5. Notez, on va noter parce que je vais vous donner une vingtaine de versets. Puis, voilà, si on va lire. Si on ne finit pas aujourd'hui, on va en finir la semaine prochaine, plaise au Seigneur, selon qu'il va disposer. Une totale dépendance en Dieu. Le Seigneur veut une totale dépendance en lui. Le psaume 40, verset 5. Le psaume 40, verset 5. Le psaume 49, verset 1 à 7.
Vous y êtes? Mm-hmm. Genèse chapitre 15, verset 16. Genèse chapitre 15, verset 16. Le psaume 78. Le psaume 78. Proverbe chapitre 22, verset 17 à 19. Vous y êtes? Mm-hmm. Ésaïe chapitre 7, verset 1 à 4. Ésaïe chapitre 7, verset 1 à 4. Le chapitre 10, verset 24 d'Ésaïe toujours. Vous y êtes, mes frères? Ésaïe chapitre 10, verset 24. Le chapitre 41, verset 10 à 14 d'Ésaïe. Ésaïe chapitre. Chapitre 41, les versets 10 à 14. Encore, Ésaïe chapitre 43, le verset 1 à 5. Ésaïe chapitre 43, le verset 1 à 5. Vous y êtes. Le psaume 46, verset 2. Psaume 46, verset 2. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Psaume 46, verset 2. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Prenez le temps d'étudier ces versets et laissons que ça pénètre notre âme. Vous priez n'importe comment. Tant que vous ne dépendez pas, tant que votre confiance n'est pas reposée sur le Seigneur, vous aurez des frustrations. Il faut dépendre de lui pour tout, dans tous les domaines. Souvenez-vous de cette parole du Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il doit être notre force, notre tout. On doit s'appuyer sur lui. Un peu comme on s'appuie sur le bout du lit, on s'appuie sur une chaise pour se reposer. Il est notre bouclier. Le psaume 20, verset 8. C'est bon? Mm-hmm. Le psaume 84, verset 6. Psaume 84, verset 6. Vous y êtes? Oui, oui. Le psaume 104, verset 4. Non, le psaume 105, verset 4. On peut continuer. Deux rois chapitre 18. Et je crois qu'on va commencer par là maintenant. Deux rois chapitre 18. Et vous voyez effectivement que si on continue à donner le verset comme ça, vous allez remplir les cahiers ici. Mais il ferait mieux d'arrêter là maintenant. Et puis on va revenir au fur et à mesure, Dieu voulant. On y va. Mon frère, s'il te plaît, tu peux juste répéter ce, depuis le début? Frère Trabi, répète depuis le début. S'il te plaît. Ok. Psaume 27, verset 1 à 3. Psaume 37, verset 5. Psaume 40, verset 5. Psaume 49, verset 1 à 7. Genèse, chapitre 15, verset 16. Psaume 78, Proverbe 22, Ésaïe chapitre 7. J'ai dit Proverbe 22, verset 17 à 19. Verset 17 à 19. Et Ésaïe chapitre 7, verset 1 à 4. Ésaïe chapitre 10. Verset 24. Ésaïe chapitre 41, verset 10 à 14. Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 5. Psaume 46, verset 2.
Ésaïe chapitre 26, verset 3. Somme 20, verset 8. Somme 84, verset 6. Somme 105, verset 4. C'est bon. Deux rois, chapitre 18, le dernier, n'est-ce pas? Merci, mon frère. Merci beaucoup. Ouais, il faut toujours avoir l'esprit du partage. Merci, mon frère. Exact. Il faut avoir l'esprit du partage, pas vrai? C'est gentil. Deux rois 18. Deux rois, chapitre 18. Voilà, vous y êtes, je peux lire. On peut y aller. Deux rois, le chapitre 18. Vous y êtes, tout le monde? Oui. Écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abihi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait David son père. Il fit disparaître des hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédaient, il n'en eut point de semblable à lui. Soulignez le verset 3. Verset 5. Vous avez vu ça? Regardez très attentivement. On nous dit au verset 4 qu'il a saccagé les idoles, brisé les statues et brûlé particulièrement le serpent d'airain que Moïse avait fait dans le désert. Vous voyez pourquoi Dieu a dû enlever Moïse, n'est-ce pas? C'est qu'on devait faire un monument pour lui. Commencez à l'adorer maintenant pour qu'il laisse ses lèvres pour parler. L'être humain avec l'idolâtrie. Regardez. Le serpent était un symbole de la délivrance qui devait venir par le Seigneur Jésus. Lorsque Moïse a quitté la scène, ils ont commencé à adorer ça exactement comme les catholiques font aujourd'hui. Après que Christ est racheté par la croix, aujourd'hui, les gens ont pris cette croix-là pour commencer à adorer. Ils se mettent sous la croix et commencent à se prosterner. Exactement la même chose. Vous comprenez? Donc, et ils avaient même donné le nombre dans la scène et commencé à brûler le parfum sur la croix, sur le truc. C'est vrai que cet objet avait servi de salut plus tard, plus tôt. Mais Dieu n'a pas demandé qu'on lui voue un culte. Vous voyez? De la même façon comme sur la délivrance, notre délivrance a été obtenue à la croix. Et là maintenant, les gens continuent maintenant à aller à la croix avec cela, avec porter des choses jusqu'à ce qu'ils font des pèlerinages même avec cela. Mais maintenant, la Bible déclare que les gens faisaient ces choses-là. Ils ne savaient pas que ça ne plaisait pas à Dieu. Ils mettaient leur confiance sur les objets. Ils croyaient qu'en s'attachant à ces objets-là, ils avaient des protections ou quoi que ce soit. Donc, c'était l'objet de leur salut, l'objet de leur protection, de leur culte et de leur adoration. Mais qu'est-ce qu'Ézéchias est venu faire? Regardez la mémoire qu'on fait de lui. On dit qu'il n'a point paru de roi après lui ou bien qu'il a précédé qu'il soit comme ça devant le Seigneur, comme ça droit. Verset 5 dit, il mit sa confiance en l'Éternel. Donc, il comptait sur Dieu. Il n'avait pas besoin de... Ouais, pourquoi le Seigneur Jésus a dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Ézéchias n'avait pas besoin de ces idoles-là pour contacter Dieu. Il a mis sa confiance à l'Éternel. Il comptait sur l'Éternel. Et regardez le témoignage qu'on dit de lui. Suivons très attentivement maintenant la conséquence de cette confiance-là, de cette perspicacité-là à être confiant en Dieu. Maintenant, écoutez très attentivement. Ce que j'ai dit est à la fois simple et compliqué. Parce qu'en réalité, avoir confiance en Dieu. Aurélie, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu te bénisse, d'accord? Avoir confiance en Dieu n'est pas chose facile lorsqu'on a un environnement troublé et que très souvent, on ne voit pas Dieu à l'œuvre physiquement manifester sa grande puissance comme on aurait souhaité. C'est ça qui totalement met les gens à côté de la plaque. Parce qu'on s'attend à ce que si les gens blasphèment le nom de Dieu, Dieu dit, vous dites ça à qui? Depuis le haut là. Il fait brrr avec son tonnerre pour qu'on crache qu'il est là. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Des cataclysmes arrivent sous son ordre pour renverser les fondements et attirer l'attention des gens vers lui. Mais quand ça arrive, qu'est-ce que les gens font? Les gens vont de plus belle encore dans l'idolâtrie.
rentrer encore dans le mal. Si vous prenez le temps de lire l'Apocalypse chapitre 9 jusqu'au chapitre 16, vous allez voir comment quand les fleuves vont commencer à descendre sur la terre, les gens, au lieu de se repentir, vont maudire le Dieu des cieux. C'est terrible. Mm-hmm. Vous voyez, ces choses-ci sont des présages. Alors, Dieu veut nous faire comprendre ici que Ézéchias a eu confiance en lui. Mais nous allons voir comment sa confiance en Dieu sera challengée. Et comment Dieu réagit. Verset 6. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Souligné. Ouais, c'est merveilleux, n'est-ce pas, que cette déjà de témoignage se soit donné pour nous. Regardez le cas de Zacharia dans le livre de Luc chapitre 1 dont je parlais tout à l'heure. On dit qu'il était irréprochable à l'égard de la loi de Dieu. Mais malgré cela, il avait des situations qui le challengeaient. Sa femme était stérile et non seulement cela, la vieillesse avait eu le dessus de lui. La recherche scientifique avait déjà dit que non, à l'âge de 45 ans, c'est terminé, on ne peut plus accoucher. Il y a peau sur la menou. Eh bien, Dieu n'avait pas dit la fin. Verset 7, et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Vous avez vu ça, frère? Comment c'est merveilleux? Mm-hmm. N'est-ce pas ce qu'il a dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8? Mm-hmm. On dit qu'on médite jour et nuit pour agir selon tout ce qui est écrit, et c'est là alors que tu réussiras dans toutes ses entreprises. Voici un exemple de quelqu'un dans la Bible qui l'a fait et qui l'a réussi. Et donc là, tous ces personnages qui testent la parole. Et que la parole devient réelle pour elle, sont là pour nous témoigner que la parole est vraie. Ce que Dieu te dit comme promesse, si on le fait, il va l'accomplir. Mmh. Amen. Amen. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes, des témoins de Jéhovah, jusqu'aux villes fortes. Verset 9. La quatrième année, le roi Ézéchias, la quatrième année du roi Ézéchias, qui était la septième année d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et la siégea. Souvenez-vous encore pour bien saisir qu'il y a le pays d'Israël en ce temps s'est divisé en deux. Il y a l'Israël au nord, et là on parle de quoi? Du fils d'Ela, le roi Osée est là au nord, et au sud. Ayant pour capitale Jérusalem se trouve Ézéchias. Donc, Osée règne en haut, au nord, ayant la capitale pour capitale Samarie. Et au sud règne Ézéchias, le roi. Il règne ayant pour capitale Jérusalem. Donc, en Israël, il y a un bi-royaume. Verset 10. Il a pris au bout de 3 ans. La sixième année, Ézéchias, qui était la neuvième. La sixième année d'Ézéchias, qui était la neuvième année d'Osée, roi d'Israël. Alors, Samarie fut prise. Donc, le roi d'Assyrie avait vaincu le roi du Nord, n'est-ce pas? Souvenons-nous, il a 10 tribus. Et en bas, c'est tout simplement 2 tribus. Verset 11. Le roi d'Assyrie amena Israël captif en Assyrie. Et il les établit à Calak, sur le Kabor, fleuve de Gozan, et dans les villes de Mèdes, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Écoutez bien, verset 13. La 14e année du roi Ézéchias, Sanhédrin, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Vous voyez effectivement que le roi précédent, Salmanazar, roi d'Assyrie, est monté il y a 7 ans plus tôt. Il a pris Israël en haut. Maintenant, quand Sanhédrin, le roi d'Assyrie qui a remplacé celui-là, est venu maintenant, il est descendu contre les villes de Juda, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Oui. Maintenant, suivez très attentivement ce qui se passe. Regardez bien le renseignement qu'on a donné à Ézéchias en haut. Sa témérité et puis tu as sa droiture pour servir Dieu, sa confiance qu'il a mis en Dieu. Maintenant, ça sera challengé. On dit, il monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Donc, vous voyez que malgré qu'il a fait servir le Seigneur, il a renversé les idoles, ça ne l'a pas empêché qu'un roi païen qui ne suit pas Dieu puisse venir et le vaincre. Mm-hmm. Vous saisissez, n'est-ce pas? Écoutons. C'est ça. Verset 14. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis, j'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Verset 17.
Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi de Ézéchias, Tartan, Rabsaris et Rabshaké. Vous y êtes? Avec une puissante armée. Ils montaient et ils arrivaient à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtaient à l'arc-duc de l'étang supérieur sur le chemin du champ de Foulon. Ils appelaient le roi. Et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux, avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Asaph, l'archiviste. Rabshaké leur dit, « Dites à Ézéchias, écoutez très attentivement maintenant le challenge. Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ?» Ah, vous parlez de la Bible là maintenant. Je suis, mon corps commence à faire un jet. Je suis prêt à prêcher maintenant. Ah, le frère Frédéric, tu te moques de moi. Hein? Il faut quitter l'église, la vraie église, pour aller à Table de Nation. Tu vas voir ça là maintenant. Alors, il dit, écoutez bien. Tu ris toujours. Un de ces soirs, tu vas venir. Tu vas dire que mes frères prient pour moi, c'est chaud à la maison. Alors, le roi d'Assyrie, ça c'est Rabshaké qui dit, verset 19 encore. Rabshaké leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi. Le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Donc, sa confiance était tellement connue que même le roi de l'autre pays était tellement terrifié au point où il a médité que le type là se prend même pour qui? Et puis il envoie la nouvelle pour aller demander à Ézéchias, toi-même là, avec un petit royaume comme toi, ici, j'ai une forte armée, tu comptes même sur quoi? Vous voyez effectivement que tous les chrétiens et tous les croyants des époques étaient toujours comme ça, minorité. Prenez le cas d'Abednego, Shadrach et Meshach. Ils sont dans le royaume de Nebuchadnezzar. Ils comptent sur quoi dans le pays, dans le territoire étranger? Que tous les grands des peuples soient là, les chefs militaires, les généraux, tout le monde est versé là. Le roi dit, quand on va sonner la trompette là, je vais vous voir à genoux. On est pour, il dit, roi, vis éternellement. On ne te répondra pas dessus. Notre Dieu est capable, oh frère, vous devez savoir en qui vous avez cru. Vous devez savoir que vous avez vraiment confiance et que votre vie est scellée avec lui. Ah, notre Dieu est capable de nous sauver des ténèbres. Et même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas quand même. Waouh, ça c'est la parole ça, pas vrai? Le roi était étonné que, mais, trois bonhommes confiants dans mon royaume, moi de me connaître ça, qui ai vaincu le royaume, parcouru la terre, des poltrons comme ça, osent me défier devant moi. Et là, souvenez-vous, quand le roi est défié comme ça devant ses sujets, si sa colère était 8, il devait multiplier ça par 800 pour vous montrer, pour que ça donne l'enseignement aux autres. Regardez cette sagesse que Dieu donne aux hommes. Il a dit, ne préméditez pas votre défense. Donc le Saint-Esprit parlait au travers de la bouche d'Abednego, Shadrach et Meshach, pour dire que nous ne pouvons pas t'adorer. Il challengeait comme ça pour montrer qu'ils avaient confiance au Seigneur. Et le feu n'était pas loin. On pouvait le faire n'importe quoi. Là maintenant, le plus grave, c'est qu'il ne comptait pas sur les cinq sens. Il n'avait pas de relation dans l'armée. Il n'avait pas de relation chez le magistrat. Il n'avait aucune relation humaine qui pouvait le tenir. En tout cas, la Bible nous enseigne que tout le peuple s'est prosterné sauf les trois là. Donc, ça veut dire que même leurs relations, leurs parents se sont prosternés. On a dit, mon ami, c'est vous qui vous dites que vous croyez sur la Bible. Fais ça, il faut respecter l'autorité. Ha! Souviens-toi que l'apôtre Paul a dit dans Hébreux, Romains chapitre 13, qu'il faut se soumettre à toute autorité. Hein? Il faut se soumettre à toute autorité. Oui, mais pas de cette façon là. Vous voyez cela? Notre confiance doit être challengée. Alors Rabshaké lui dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance? Vous voyez la question? Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Donc, ton socle c'est qui? Tu dépends de qui pour oser me challenger? Qui t'a donné l'autorisation et l'autorité pour tenir contre moi? Suivons la suite. Verset 20. Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. Les bras, 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 bras. En qui donc tu as placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Chrétien, l'heure est arrivée, il faut dépendre de Dieu. On arrive à une heure périlleuse. Une heure dangereuse de notre histoire où notre foi doit être challengée. Et sauf ceux qui sont confiants totalement. Dépendant totalement de l'Esprit de Dieu qui pourront tenir. Sinon, comment penserez-vous que tous ces gens-là, au courant des siècles, qui avaient cru au Seigneur Jésus, on les amenait à la crucifixion, on les amenait au boucher, on les jetait dans les fosses aux lions, en pâture aux lions, dans les cirques, les gladiateurs, je ne sais pas si vous avez vu ces choses-là.
On les amenait là-bas, on les réunissait là-bas. Ça, ils étaient devenus le spectacle du monde, des balayus, en quelque sorte. On les tuait, ils erraient dans les entres de la terre. Mais ils se réjouissaient chaque fois. Comment peut-on lancer le caillou sur quelqu'un? Bam! Comme sur notre frère, grand frère Étienne. Il tombe. Pendant qu'on lance un autre, ça casse sa tête. Le sang jaillit, ça gicle. Il se tourne là avec amour. Il dit, ses pères, ne les impute point ses péchés. Vous devez avoir quelqu'un d'autre en qui vous avez pu. Amen. Vous devez avoir une autre confiance pour faire cela. Sinon, lorsqu'on va vous mettre une gifle ici sur la route, bam! Quand ton œil va rougir, tu vas te souvenir du verset qui dit que Jésus a chassé les gens dans le temple avec la chicotte. Tu vas réagir avant de dire que même Jésus a chassé les gens. Vous voyez? Pourtant, lui, il a dit plutôt que si on te gifle sur la joue, tu dois te présenter l'autre jour. Pourquoi? Parce que la chair s'est levée. Et il lui pose la question, mais tu comptes même sur quoi? Tu as dit que il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais en qui? Toutes ces paroles, c'est les paroles en l'air. Regardez très attentivement comment Ézéchiel allait lui dire. Ces paroles, tu as dit qu'il faut pour la guerre de la prudence, veut dire que Ézéchiel l'a challengé en parabole. En disant que si tu t'engages à faire la guerre, il faut savoir contre qui tu peux lutter. Le gars dit, hein. Donc c'est contre moi que tu dis ces chères paroles. En tout cas, c'est les paroles en l'air. Toi, tu comptes sur qui? En fait, le challenger, l'opposant physique d'Assyrie était le roi d'Égypte. Donc ce sont eux qui confrontaient les puissances. Ils pensaient que Ézéchiel allait prendre à sa solde les Égyptiens. Pour que, comment on fait les alliances aujourd'hui? Pour que si je touche un peu l'Irak, l'Iran réagit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Oui, les États-Unis réagissent. Parce que ce sont ses alliés. Donc il croyait que, puisqu'il savait que militairement il est fort plus que l'Égypte, il croyait que quand Ézéchias compte sur l'Égypte, si Ézéchias gonfle les épaules, s'il réagit, les Égyptiens vont réagir contre lui. C'est pour ça qu'il challengeait. Il ne savait pas que il s'est appelé le grand roi. Il s'est fait appeler le grand roi. Ézéchias est avec le roi immortel, le roi des siècles. Suivons l'histoire. Verset 21. Aha, je n'avais pas dit. Voici, tu l'as placé. Donc, il a défini là où celui-là a placé ta confiance. Sa confiance. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Donc, vous voyez effectivement que si vous vivez dans le monde, vous voulez lutter contre Lucifer et vous placez votre confiance dans quelque chose qu'il connaît, vous êtes battable parce qu'il connaît les plans et les stratégies, les fers de faiblesse de tous ces gens-là. Voilà pourquoi il faut se confier dans le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. Parce que lui, il va lutter pour nous. Donc il dit, il définit d'après sa politique, ce genre de renseignement, Ézéchias a placé sa confiance dans l'Égypte. Il a pris l'Égypte à sa solde. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce réseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Vous êtes de là. Confiez-vous au Seigneur et non ne s'appuyez sur quelque chose que ce soit dans ce monde-ci. Il nous faut une dépendance totale au Seigneur. Berger dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, Virginie. J'espère que vous allez bien. Je ne suis pas en de dire que c'est fini, d'accord? C'est seulement pour vous réveiller. Oui. Non, la sainte amie voulait dire que est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce que c'est déjà fini? Là. C'est pas encore fini. On avance. Alors maintenant, on continue. Verset 22. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous procéderez devant cet autel à Jérusalem. Vous voyez comment la confusion entre dans son esprit. Il croyait que le nettoyage qu'Ézéchias a fait là, parce qu'en fait, des générations en génération, on servait ce style de Dieu là. Il croyait que comme les autres personnes étaient idolâtres, normalement, parce qu'eux, ils sont les païens. Ils, en allant en guerre, ils ont des idolâtries qu'ils portent là-bas, les deux dieux qu'ils portent pour marcher avec. Il croit que Israël était comme ça. Il dit, n'est-ce pas, tu as nettoyé. Il veut dire par là que tu as nettoyé le Dieu, l'agence. Finalement, le Dieu n'est même pas avec toi. Et tu, votre maison là de Jérusalem, tu dis qu'on se prostrait là-bas. Regardons. Verset 23. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Donc, vous voyez effectivement comment ils étaient armés lourdement. Et ils partaient lutter contre un peuple. Donc, si militairement parlant, ceux-ci ne pouvaient pas confronter ni affronter ceux-là. Donc, ils devaient avoir un autre appui. Et s'ils comptaient gagner, ils devaient avoir un appui supérieur. Et là, il lui a expliqué la stratégie de l'Égypte. Il dit, c'est un roseau qui perce les mains de quiconque le touche. Donc, si tu appuies sur lui, tôt ou tard, ça va retourner contre toi. Donc, ça vaut pas la peine d'aller en Égypte chercher de l'aide. Amen. Verset 24 encore. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et les cavaliers.
D'ailleurs, écoutez bien. Est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Donc finalement, le Dieu même d'Ézéchias a parlé à Sakhédrin et à son chef de monter contre son peuple. Verset suivant. Eliakim, fils de Kéja, Shebna, de Joach, et Joach dit à Jarabshaké, hey, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons et ne nous parle pas en langue judaïque. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Il parlait comme ça, tout le peuple était là. Vous voyez comment on passe en revue la troupe. Les gars, les gens entrent dans votre pays, vous savez qu'ils viennent pour vous subjuguer. Et ils parlent en langue araméen, à haute voix, tout le peuple en écoute, et les envoyés du roi sont en écoute, et le peuple en écoute. On vous challenge comme ça devant votre armée. Elle allait dire à Ézéchiel, vous comptez sur quoi pour vous challenger? Il dit, pardon, Rabshaké. Parle en langue araméen, ne parle pas en judaïque. Parce que la majorité des personnes comprennent la langue judaïque du quartier, enfin de la population, mais l'araméen n'était pas parlé de tous. Les hauts responsables comprenaient l'araméen, mais ils ne voulaient pas que ça s'affaiblisse, que les gens du peuple entendent ça et que ça baisse leur confiance. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez très attentivement. Rabshaké, non. Eliakim, encore verset 26. Eliakim, fils d'Ikija, de Shebna et Joach, dit à Rabshaké, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Vous avez vu? Rabshaké leur dit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître a envoyé de dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leurs urines avec vous? Alors Rabshaké s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie, pour affaiblir encore davantage le peuple. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous mène point à vous confier en l'Éternel, soulignez ça, en disant l'Éternel nous délivrera. Vous voyez comment l'ennemi nous challenge, n'est-ce pas? Où est votre Jésus là que vous dites que vous priez chaque fois? Appelez-le alors, il voit. Moi, je vous ai seulement dit, vous continuez comme ça. Je connais quelqu'un qu'on avait dit comme ça, que si il n'est pas chez le marabout, il va mourir. Et il n'est pas effectivement parti chez le marabout, il est mort. Ha! Faites attention. Vous faites confiance. Jésus, là, tu l'as déjà vu. Il a quelle couleur? Laisse les choses de blanc là. Les Africains, nous avons les choses. Vous avez entendu ces choses, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est Rabshaké. Si quelqu'un te dit, ça un de ces jours encore, tourne-toi, veux lui dire Rabshaké, éloigne-toi de moi au nom de Jésus. Voilà. Verset 30 encore. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Et chacun boira de l'eau de sa citerne jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre. Dans un pays et le blé, le pays de blé et de vin. Un pays de pain et de vignes, un pays d'oliviers à huile et de miel. Et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias. Car il pourrait vous séduire en disant... Frère Frédéric, ferme ton micro. Car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel nous détruira. Donc voici quelqu'un qui donne sa part d'évangile. Il dit que si vous confiez en Dieu, vous allez mourir. Si quelqu'un vous dit que confiez-vous en Dieu. C'est que ça, il vous pousse à la mort, c'est la séduction. Entre les deux, c'est qui en les séduit qui alors? De celui qui parle là même. Si on parle à Dieu, à quelqu'un qui fait confiance à Dieu, et quelqu'un vient de dire, hein, si on vous dit faites confiance à Dieu, faites attention, localement. Et il vient même dire que c'est celui qui vous dit faites confiance à Dieu qui est dans la séduction. Vous voyez ce qu'on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Maintenant, verset 33. Écoutez bien, c'est ici là où il va insulter Dieu. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamat, de Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaim, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? À cet instant, il a bravé le Tout-Puissant. Vous avez vu ça? Le peuple s'est tu et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils d'Ikidia, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Assav, l'archiviste, vint auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké. Oh, voilà. Maintenant, regardez-moi très attentivement. Prenez le temps donc de lire le chapitre 19. Au chapitre 19, quand ils vont revenir donner le rapport,
Ézéchias va envoyer maintenant dire Ézéchias à Ésaïe, le prophète. Ésaïe, fils d'Amos, était là. Dans le conseil de Dieu, il connaissait tout le plan. Ah mon Dieu, vous parlez des prophètes. Il connaissait ce qui se passerait, ce qui se tramait. On va lui envoyer dire. Et là, Ésaïe va lui parler de ce qu'il est question. Si vous rentrez dans Ésaïe au chapitre 7, chapitre 10, vous allez voir effectivement qu'on parle de toute cette Syrie. À partir de là, Ésaïe a prophétisé donc sur la Syrie. Prophétisé même sur la venue de le roi d'Assyrie au temps de Messie, avant que Jésus ne vienne en action. Il va prophétiser que c'est Jésus qui va venir délivrer notre pays lorsque les pasteurs viendront, quand ils vont venir là-bas, dans ce livre de Zacharie aussi. Vous voyez, il va venir délivrer. Et le prophète Michée va parler la même chose dans ce même pays ici. On dit celui qui va naître là, celui qui va gouverner sur Israël, et celui qui va nous délivrer lorsque le roi l'Assyrie entrera dans notre pays et qu'il entrera dans notre porte, celui qui va le faire. Donc, ce royaume-ci qui a confronté Israël va encore revenir confronter Israël à la fin des temps. Alors, le thème, la dépendance de Dieu, vous montre, vous voyez effectivement que la suite de la chose dit clairement qu'Ézéchias a vaincu, n'est-ce pas? Il est vrai, comme il va faire la prière là-bas, qu'il est vrai que les dieux de ces nations-là ne sont pas des dieux. Ce ne sont que des idoles. Mais toi, tu es un Dieu vivant. Et là, il va confronter. Dieu va dire exactement que j'ai entendu les insultes qui m'ont insulté. Donc, vous voyez effectivement que quand il faisait sur la terre, il fallait ils comptaient sur leur divinité païenne là. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait l'Éternel des armées. Le Dieu vivant et vrai, grand et terrible, redoutable. Alors, mes frères, si Ézéchias ne s'était pas mis dans la confiance totale au Seigneur, de façon irrépréhensible dans son cœur, pourrait-il être secouru? Non. Psaume 46. Et quand vous avez vu, vous avez ça aujourd'hui, verset 20, verset 2. Verset 2, qu'est-ce que ça dit, mon cher frère? Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Frère, si vous pouvez garder quelque chose pour cette soirée ici, gardez cela dans votre âme. Amen. Gardez cela dans votre âme. Il n'y a pas dans votre tête, dans votre cerveau, dans votre âme. Ça veut dire compter sur lui. On dit qu'il est pour nous un refuge. Un refuge, c'est là où on passe et caché. C'est pour ça que dans ce livre des Proverbes, on dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Donc s'il y a un lieu où se cacher, c'est dans l'Éternel. Il faut se cacher en lui. Il faut se cacher en lui. Amen. Amen. Le psaume 27, verset 1 à 3. Lisez. C'est vous qui lisez maintenant. J'ai lu pour moi là. J'ai lu le chapitre 18 des deux rois. Maintenant, je vais vous donner, vous lisez. Tout ce que j'en ai dit maintenant, c'est ce que je vous ai énoncé comme verset, vous lisez. Donc, souvenez-vous que, quel qu'en soit l'endroit où vous trouvez, voici le cas d'Ézéchias. Il était tranquille dans son pays. Quelqu'un a quitté son pays pour venir le challenger dans le sien. Il avait fait son nettoyage dans son pays sans s'occuper du roi d'Assyrie. Le gars qui était là pour venir le challenger. On peut vous challenger dans votre foyer. Votre belle famille peut vous challenger. On peut vous challenger à partir d'un pays. Vous challenger dans votre maison. Vous challenger dans votre lieu de service. Votre foi sera challengée par les événements. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans le chapitre 21 qu'on a lu. Il dit que vous serez trahi par vos parents, par vos proches, par vos amis, par vos frères. Vous avez vu, on a lu cela. Et on dit qu'on va livrer à cause de nous. Vous choisissez d'accepter la grâce du Seigneur Jésus-Christ et de vivre comme il veut, les challenges vont se lever. Maintenant, le Seigneur veut qu'on comprenne ce soir que malgré ces challenges-là, comme il a dit, même si on vous trimballe devant les tribunaux des hommes, n'importe où, des réunions familiales où on vous met en contestation que tu devais te justifier, Jésus nous a donné cette parole, c'est le verset 14 de Luc chapitre 21 que nous avons lu aujourd'hui. Il dit que mettez-vous à l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Au verset 15, il nous a dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourra tenir. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc, il nous enseigne une totale confiance en lui. Donc, ne vous inquiétez pas. Oh, frère Junior, mes parents m'ont convoqué à une réunion. Qu'il faut que je m'explique sur telle ou telle chose. Jésus a dit, ne prémédite pas ta défense. Parce que tu ne sais pas comment ça va se passer. Il est question de Jésus. C'est parce que tu as choisi Jésus. C'est parce que tu vis en Christ que ce challenge-là se lève. Alors, c'est lui qui doit te défendre. C'est son nom qui est en jeu. C'est lui qu'il faut appeler sur la scène. Alors, quel qu'en soit ce qui arrive, allez-y en comptant sur le Seigneur. Allez-y en confiance sur le Seigneur. Parce que de toute façon, si tu es Jésus-Christ dans ta vie et qu'il y a n'importe quoi, sache qu'on est censé t'être haï. Donc, si ça va devant le tribunal, ne compte pas sur l'avocat humain pour le faire. Parce que l'avocat humain ne pourra pas te défendre là-bas. Si Dieu a destiné que tu vas aller en prison, tu iras de toute façon.
Parce qu'il y a des gens qui, il y a des gens qui l'ont de chercher là-bas. Si tu as destiné que ta mort va glorifier et faire sortir les gens des ténèbres, tu vas y passer directement. C'est la façon dont tu vas sceller. Parce qu'il a dit que plusieurs, ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Il y a des chrétiens qui vont mourir par persécution. D'autres vont mourir à l'issue de la persécution, comme le frère Étienne. Amen. Amen. Psaume 27, dans le verset 1 à 3, qu'est-ce que ça dit, mon cher? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. Amen. Il faut que quelqu'un lise ceci en sachant qui a écrit cela. Et essayer d'entrer dans la peau de cette personne. Qu'est-ce qui peut donner l'assurance à ce genre de personnes de dire de telles choses? Il dit que si elle a l'armée contre lui, qui campe contre lui n'importe comment, il sera calme comme ça, comme vous et moi, comme on est là comme ça. Mais une nouvelle pour les chrétiens d'aujourd'hui. Une petite nouvelle arrive. Oh frère, je souffre. C'est fort, il faut prier pour moi. Oh Seigneur, éloigne ça de moi. Regardez ce que quelqu'un dit ici. Il dit que même si une armée qui campe contre lui, il sera malgré cela plein de confiance. Alors, qu'est-ce que cette personne, la personne s'est remis sa vie totalement, de façon confiante, corps, âme et esprit, entre les mains du Seigneur. Il compte totalement sur lui. Ça veut dire que la main est là. Il dit que même si c'était là comme ça, il resterait tranquille en comptant sur le Seigneur. Parce que le Seigneur, comme il a dit là, c'est persécution, les persécuteurs qui vont chanceler et tomber. Donc il est sûr que si une guerre se lève contre lui, Dieu va se lever contre eux. N'est-ce pas quelqu'un qui a confiance totalement au Seigneur? Chapitre 37, verset 5. Chapitre 37, le verset 5, qu'est-ce que ça dit? Chapitre 37, verset 7. Oui. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre lui, contre celui qui. Le verset 5. Le verset 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Somme 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Merci beaucoup. 1. Recommande ton sort en l'Éternel. 2. Mets en lui ta confiance. En fin de compte, ça reste entre ses mains. Et il va faire quoi? Il agira. Ah, il y a des choses à dire. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Sommes-nous prêts à avoir une totale confiance au Seigneur? Une confiance dépendant seulement de lui, au point où s'il y a n'importe quel événement, vous restez tranquille, comptant sur lui. Dans la deuxième partie de cet appel, nous allons entrer en profondeur pour montrer la nécessité de dépendre totalement en lui et la dangerosité de notre vie sur la terre si nous ne dépendons pas en lui. Autrement dit, à l'issue d'équilibre de ces deux choses, on va voir qu'on n'a pas le choix, si on veut le suivre, que de dépendre en lui. Parce que si nous ne dépendons pas en lui, il va nous laisser à notre propre force. Il veut qu'on marche derrière lui en comptant seulement sur lui. Souvenez-vous, lorsqu'on prend la terminologie brebis du Seigneur, lorsqu'on prend cette terminologie, normalement, on devrait comprendre à quoi réfère cette terminologie. Lorsqu'on prend les brebis, pour ceux qui ne savent pas, les brebis, ce sont les moutons, n'est-ce pas? Vous avez vu un mouton avec leur propre mouton, un chef de mouton qui en est le conduit, une bête. Pourquoi quand on dit à quelqu'un qu'il est bête comme le mouton? Pourquoi? Selon vous? Le mouton, c'est pas se défendre, il se laisse aller. Il n'a pas peur aussi du danger, tout ça. Donc il peut aller dans le trou sans savoir que c'est dans le trou qu'il en est de partir, n'est-ce pas? Oui. Donc, quand Jésus vous sauve du monde, il lave votre cerveau, vous devenez les moutons, vrai, de cette vie. Le brebis. Non, mais quand il dit mouton, maintenant tu esquives, tu me dis brebis pour bien, pour que ça soit un peu arrangé, non? Nous sommes les moutons du Seigneur, n'est-ce pas? Ouais. Les moutons ne savent pas se diriger, nous sommes d'accord.
Le Seigneur dit, ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. Amen. Ça suppose qu'il faut qu'on confie nos vies totalement à lui. On s'abandonne totalement entre ses mains pour qu'il conduise nos pas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Amen. Oui. C'est pour ça que dans ce Proverbe chapitre 28, là, le verset 22, 26, il dit quoi? Il dit, celui qui a confiance en son propre cœur, c'est un insensé. Donc, puisque là, le Proverbe chapitre 14, verset 12, il dit quoi? Il dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Quand on fait un choix, une décision à suivre, qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte que si nous suivons notre propre voie avec nos propres pensées, nous ne connaissons pas les paramètres qui vont rencontrer nos projets. Et qu'est-ce qui va arriver devant? Lorsque ça arrive devant, ça aboutit, on voit effectivement que nous avions fait la faute de ne pas recommander nos œuvres entre les mains du Seigneur. N'est-ce pas, frère? Oui. Lisons le dernier avant de s'arrêter. Regardons, c'est très intéressant. Le psaume 84, verset 6. Qu'est-ce que ça dit, mon cher? Psaume 84, verset 6. J'espère que la sœur Suzanne Claudon est de nous écouter. Et la sœur Karine, la sœur Reine, pardon. Psaume 84. Oui, vas-y, lis. Je recette en joie leur artiste, dans leur cœur, les chemins. Merci beaucoup. Relis-nous ça, mon cher, parce que sa connexion là, je crois que ça passe par les vraies églises, ça passe dans le téléphone de Salah Somba avant d'arriver par ici. Donc, allons-y, lis-nous ça encore, mon chef. Heureux ceux qui placent en toi, oui, c'est ça, c'est 46, sauf 43, sauf 80. 84, verset 6. Verset 6, non, frère. Il peut y avoir des décalages selon votre version. Allons, lisons. Lisez ce que le frère a lu là. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est terrible, frère, c'est terrible. Donc, un homme qui place sa confiance au Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Regardez très attentivement, suivez très attentivement. Lorsqu'on se remet entre les mains du Seigneur et qu'on refuse de se faire confiance en soi-même, on devient des moutons. Là, maintenant, c'est Dieu qui nous conduit. Il place ses chemins. Il nous place dans la destinée qu'il a placée pour vous. Désormais, on marche, c'est ce que le Nouveau Testament appelle par être conduit par le Saint-Esprit. Chaque pas que tu marques selon la volonté de Dieu. Encore, relis-nous ça encore, mon frère. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils se trouvent... Non. Non, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans leur cœur? Oui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que vous en dites maintenant par rapport à ça, mon cher? C'est Dieu qui met maintenant les projets, la marche, la conduite, tout dans le cœur, pour qu'on puisse mettre cela en pratique. Qu'est-ce la direction à suivre, tout et tout. Alors, qu'est-ce que ceci explique pour nous aujourd'hui? On doit compter sur lui, s'appuyer totalement sur lui, s'abandonner à lui, attendre le chemin que lui-même il a, qu'il veut, pour qu'il nous conduit vraiment sur ce chemin-là. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Julien. Bonsoir, frère Julien.
toujours que Jésus-Christ est Dieu, il est votre Seigneur, il est votre Sauveur, celui qui est allé à la croix pour vous. Et je vais toujours vous dire la vérité et vous devrez dépendre de lui. S'il ne vient pas maintenant, tôt ou tard, on sera devant le trône et il dira que je vous avais dit la vérité. Tout mon possible fait que vous soyons, que nous soyons tous connectés à lui de la bonne façon, qu'on le serve comme lui il veut et que s'il vient, il entre dans la scène, que nous partions avec lui. Je prie donc pour vous et je prierai toujours pour vous que nous soyons arrimés à lui de la bonne façon pour que s'il vient, il nous trouve sans tâche, irrépréhensible, mais que nous l'accueillons et que nous accueillons dans la gloire pour entrer avec lui dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Bénis dans la salle. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée.